Allez, on va ouvrir notre débat Kylian Mbappé avec Romain, tout d'abord, pour voir un peu les classements de Kylian Mbappé lors des derniers Ballons d'Or. Il a toujours été dans le top 10, Kylian Mbappé, et ça, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais on va vous montrer. Donc, en 2024, il a terminé 6e. Et si on prend les classements des années d'avant, notamment par rapport à 2023, eh ben, il y a une petite régression, fatalement. En 2022, déjà 6e, 9e en 2021, 6e en 2019. Voilà, il a toujours été entre 3e et 9e depuis ces dernières années, et donc 6e en 2024. Eh oui, on l'attend chaque année et il ne l'a toujours pas à 26 ans, Kylian Mbappé. Son rêve de ballon d'or s'éloigne-t-il de plus en plus? Petite ardoise, vous me dites quoi? Vous me dites oui du côté d'Alicia, du côté de Loïc Tanzi? Voilà. Trop dur. Trop dur d'avoir le ballon d'or? C'est trop dur pour Kylian Mbappé d'avoir le ballon d'or, c'est ça? C'est trop dur de répondre à cette question. C'est trop dur de répondre à cette question. C'est pas fou. Oui, pour Hand, ça s'éloigne. C'est une bonne réponse. Pour Sébastien, non de ce côté. Non, j'ai dit non. Oui, non, j'ai dit non de ce côté. Vous avez... Non, ça ne s'éloigne pas. Tiens, Ambre, j'ai envie de vous entendre puisque vous, vous avez répondu à un oui franc. Oui, en fait, pour moi, il y a plein d'arguments qui font que pour Kylian Mbappé, s'il reste le Kylian Mbappé de l'instant T, oui, mais je dis bien. Ah bah oui. Mais pour moi, il n'est pas voué à peut-être évoluer dans la direction dans laquelle je pense. Kylian Mbappé, pour plein de raisons. Évidemment, on va dire la concurrence idéologique, on en parlait, c'est un peu tout à l'heure la manière dont le Ballon d'Or, maintenant, on va se diriger vers un Ballon d'Or qui célèbre le collectif. Et Kylian, on sait que c'est un joueur voilà, qui prône l'individualisme et son jeu également. Après, peut-être qu'il va modifier son jeu de parce que devient le Ballon d'Or, mais j'en suis pas du tout sûre. C'est pour ça que je parle du Kylian d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un creux générationnel qui va petit à petit faire que Kylian, là, on a vu ce que Romain nous a présenté, l'évolution, mais je pense que ça va pas aller en s'arrangeant quand il est poussé derrière par des joueurs comme Lamine Yamal. Ça va être très, très dur. Il y a la concurrence, justement, au sein de son propre club. On parlait de la dispersion des voix, mais justement, quand on voit Vinicius, quand on voit Bellingham, qui, eux, prennent la lumière, l'aspirent dans le club, ça va être de plus en plus difficile pour lui. Et puis après, moi, je vais être très factuelle. Tu parlais tout à l'heure, Loïc, de barème et de conditions. Il y a les titres. Et pour l'instant, je vois que le Real Madrid, on verra peut-être la Ligue des Champions encore une fois. Mais là, on voit l'émergence, la réémergence d'un grand FC Barcelone qui, pour moi, dans les années à venir, va pousser un grand Yamal. Donc, à moins... Déjà, c'est déjà fini pour 2025 en Liga. Ah, déjà ? En Liga. Ah oui, en Liga. Ouais. En Liga, c'est fini pour lui. Ils sont distancés, je crois, déjà 6 points. Il peut se passer beaucoup de choses, quand même. Pour moi, ça va être très compliqué d'aller chercher, vu la forme du Barça actuel. Donc, il va falloir tout miser sur la Ligue des Champions. Et ça veut dire qu'il va falloir se distinguer individuellement, être... mais exceptionnel aux côtés d'un Vinicius qui lui a dit « Je vais donner 10 fois plus pour aller choper le ballon d'or ». Donc bon courage Kylian, ouais. Pour moi ça s'éloigne un petit peu. Je rappelle qu'il reste encore 31 journées, il peut se passer quand même des bien choses. Sûr, mais... voilà. Heureusement que c'est plus serré en Italie, dans la Serie A, qui est vraiment le championnat le plus passionnant. La photographie de l'instant, hein, je la donne. Charlotte, vous... est-ce qu'elle vous a convaincu ou pas dans ces arguments, Ambre? Oui, je les comprends parfaitement, Ambre, et puis je suis d'accord. Mais justement, le fait qu'il ne soit plus sur un piédestal et qu'il y a la concurrence qui émerge, je pense que comme il a un nouveau statut, le Real Madrid va encore gagner des choses. En équipe de France, ils peuvent encore aller faire des finales ou gagner des compétitions. Donc dans tout ce qui est palmarès collectif, il peut en gagner. Et puis individuel, en étant très moyen, il est meilleur buteur. Il y a une quoi, 50 buts? 52. Vinicius... c'est même pas la moitié, je crois. Donc non, je pense qu'individuellement, je trouve qu'il y a une petite progression, même si contre Barça, ça a été dur. Je trouve que lui, il a une petite progression physiquement, parce que quand Kylian n'est pas bon physiquement, tu peux être le meilleur du monde. Hein, si physiquement, tu n'es pas à 100%, c'est mort. Ah, mais Charlotte, le capital but dont tu parles, il l'a aussi beaucoup fait au Paris Saint-Germain. Oui, mais et quand, en équipe de France, quand tu vois aujourd'hui le positionnement qu'il a et finalement celui qui va aller mettre le capital but, c'est oui, le positionnement qu'il n'aura pas. Mais parce qu'aujourd'hui, physiquement, il ne peut plus jouer à gauche, parce que déjà, il ne défend pas, il ne l'a jamais fait à Paris. Et Real Madrid demande de beaucoup défendre. Et là, le fait de le mettre au numéro 9, il défend beaucoup moins. Donc, non, il y a toujours Vinicius qui va lui mettre des galettes, Rodrigo, tout ça, Bellingham. Donc, non, je pense qu'avec le Real, il va émerger, il n'est pas bien, tout le monde le sait, et le fait qu'il soit peut-être un peu moins dans la lumière, il va se recentrer un peu sur lui-même, et je crois qu'il y aura une évolution. Donc le ballon d'or, il pourra sûrement l'avoir prochainement, même si je suis d'accord sur tes arguments qui sont possibles. Charlotte l'a dit par rapport au nombre de buts, il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, il a quand même décroché le trophée Gerd Müller hier de meilleur buteur européen de la saison, à égalité avec Harry Kane, certes, mais il est numéro 1, c'est 52 buts en 62 matchs, c'est 20 passes décisives en plus. Il y a un petit palmarès quand même, la Ligue 1 et la Coupe de France, c'est jamais anodin. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG, une demi-finale de l'Euro avec l'équipe de France, et donc le trophée Gerd Müller remporté hier, qui n'est pas rien. Ouais, la Coupe de France aussi, quand même, voilà. Il y a chose. Voilà, ça va, Loïc, c'est pas trop dur là sur la réponse, vous comprenez. Quand vous nous dites, c'est... Non, mais je disais que c'est trop dur de dire ça aujourd'hui. Le football est tellement mouvant
Tenez-vous compte ce qu'on dit sur Mbappé aujourd'hui et ce qu'on disait de lui il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on pensait qu'il en a remporté 10. On voilà. était là en disant quand est-ce que ça va arriver le premier, parce qu'on a déjà hâte qu'il soit au 5e. Oui, il fait un mauvais début de saison. Il fait 6 derniers mois. C'est Vincent Duluc dans son édito qui rappelait qu'au même âge, Lionel Messi en avait déjà 4, par exemple. Oui, mais ça, c'est, l'autre, il est extraterrestre depuis, depuis 18 ans. C'est deux joueurs complètement différents. Et Mbappé n'en gagnera pas autant que Messi. Là, pour le coup, je pense qu'on peut le dire. Mais ce n'est pas parce qu'il fait 6 mois médiocre que les 6 prochains mois vont l'être ou que la prochaine année va être médiocre. Il peut redevenir le Mbappé qu'il a été. Il arrive dans un nouveau club qui n'est pas le club le plus facile du monde et le vestiaire le plus facile du monde où il faut arriver quand il y a des joueurs comme Vinicius notamment, comme Bellingham aussi, qui pensait certainement gagner le Ballon d'Or l'année dernière quand il a fait un super début de saison. À la même époque, l'année dernière, tout le monde dit que c'est Bellingham qui allait remporter le Ballon d'Or. Tout le monde dit, ça y est, c'est pour lui l'année prochaine. Avec l'Angleterre, ils vont faire un super euro. On ne sait pas ce qui va se passer et moi, je ne l'enterre même pas pour le Ballon d'Or l'année prochaine. On a ressorti quelques déclarations de Kylian Mbappé au fil des années pour vous montrer notamment son rapport au Ballon d'Or. Parce que Loïc l'a dit, déjà, il s'en est jamais caché de vouloir remporter un jour un Ballon d'Or. La première déclaration, enfin pas la première, mais celle qu'on a sélectionnée, c'était lors de sa 4e place en 2018 où il exprime déjà l'objectif d'aller chercher un Ballon d'Or. Les trois devant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Autre prise de parole, avant la cérémonie en 2021, c'était au micro de Bertrand Latour, qui était encore sur la chaîne L'Équipe. Ah. Mbappé, toujours optimiste. D'en gagner un ou plusieurs, avait-il déclaré. Puis en 2022, dans France Football, regardez ce qu'il déclarait. « Moi, je n'ai jamais quitté le top 10. C'est la preuve que je commence petit à petit à m'installer dans la tête des jurés. Le Ballon d'Or fait partie des grands rendez-vous, des top joueurs. Désormais, je pense que j'appartiens à cette élite des vainqueurs potentiels. Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense. » Et puis, dernière déclaration, en juin 2023, après les changements de règles, c'était sur TF1. « Le Ballon d'Or, c'est toujours difficile de parler d'un trophée individuel avec les gens. Ça passe pas forcément bien, mais avec les nouveaux critères, être impactant, brûler la rétine. Je pense que je correspond à ces critères. On verra bien, mais je reste optimiste. » Bon, forcément, hier, on n'a pas eu le bonheur de l'entendre puisqu'il était absent après cette 6e place. Est-ce qu'il est toujours optimiste, d'ailleurs, d'après vous, Sébastien, Kylian Mbappé, voilà, dans son objectif Ballon d'Or aujourd'hui? Je pense qu'il a d'autres soucis. Ouais. Il doit déjà redevenir un joueur de football apaisé. Performant, je pense qu'effectivement, je suis d'accord, il va un peu mieux physiquement depuis le début de saison. Moi, je suis un peu inquiet par rapport à sa trajectoire. Ça va pas. Il a des problèmes quand même très importants en dehors du terrain. Je pense qu'on soupçonne peu, même s'il n'est pas à plaindre par rapport à tout un tas de critères, évidemment, hein, qui sont des critères importants pour la majorité des gens, notamment l'aisance financière, mais je pense qu'on ne soupçonne pas à tel point il a été marqué, même s'il a commis des erreurs lui aussi, par son conflit avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que qui qu'on soit, quelles que soient les sommes que l'on gagne, quand on est dans un conflit quotidien, permanent, on ne peut pas en sortir indemne, c'est pas possible. Et là, il est en train de le payer. Son attitude récente montre qu'il est dans un état d'esprit, qu'il était en tout cas dans un état d'esprit où il envoyait tout valser, il s'en fichait. Vous parlez de dépression, Loïc, c'est ça, carrément? C'est toujours un terme qui est compliqué à employer, parce que c'est un terme médical, donc je pense qu'il faudrait aller voir un médecin pour faire constater ça, mais je pense qu'il n'était pas loin de la dépression. Il faut faire attention, c'est effectivement un terme médical et c'est une maladie, et je trouve que parfois dans le football, on l'utilise un peu trop facilement. C'est-à-dire que quand ils traversent des moments difficiles, ils disent qu'ils sont en dépression. La dépression, c'est une maladie. Pour le coup, il a été voir un médecin. Oui, non, mais la dépression, après, c'est une maladie. Après, tu as raison, on peut parler de sa santé mentale. Faire attention. En tout cas, je pense qu'il va pas bien et qu'il a un ras-le-bol. Sa conférence de presse en septembre à Paris montre qu'il était plus du tout dans la stratégie. C'était également le cas à travers ses posts Instagram du mois dernier, enfin de ce mois-ci même. Si on est en novembre, non, on n'est pas encore en novembre. Donc de ce mois-ci, et donc ça va pas bien. Donc il faut qu'il se reconnecte avec le foot tout simplement et qu'il essaye d'être heureux avec l'idée de jouer au football. Parce qu'à un moment, on peut pas vivre comme ça, même si on a beaucoup d'argent, même si on est très connu, même si toute sa vie il sera une star. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, pour répondre à la question sur le Ballon d'Or, en 5 minutes, c'est réglé cette histoire. C'est-à-dire que il est bon.
Et en 5 minutes, il est dans la course. Ouais, ouais. Parce qu'il va mettre beaucoup de buts. C'est pour ça, Sébastien, que je nuançais en disant le joueur. S'il revient le joueur de 2018, entre 2018 et 2022, on est tous d'accord. Mais je pense qu'il n'aurait même pas besoin. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait être il est moins attaché au moins attaché au prix gagné dans sa carrière. Ouais. Avant, Ballon d'Or, c'était une obsession chez lui. Ouais, hein. On voit bien mais les... après, je sais qu'il ne faut pas dire ça. Il est moins attaché à ça. C'est nous aussi. Ici à l'équipe au football qui organisons le Ballon d'Or et donc on est ravis et c'est une très belle récompense, une très belle cérémonie. Mais je regrette que on en parle tout le temps, mais toute c'est les l'année. Joueurs qui en parlent. Mais je sais, mais parce que les c'est joueurs. Dans un instant, c'est un beau teasing. Le pourquoi vous allez voir d'Adrien Corot, la puissance du Ballon d'Or. Mais les joueurs aujourd'hui naissent avec l'idée de gagner le Ballon d'Or. Lui premier. Si on leur dit tu gagnes un Ballon d'Or, tu gagnes une Ligue des Champions, s'il faut choisir. Ils vont gagner le Ballon d'Or, là, Benzema, et ça, je le regrette. Benzema, il a gagné 5 Ligue des Champions, ou 4, ouais. Et c'est le Ballon d'Or qu'il voulait. Il a dit, c'est le plus beau. C'est le Ballon d'Or qu'il voulait. Ça depuis toujours. Il a toujours dit, je voulais offrir une maison à ma mère et avoir le Ballon d'Or. Moi, ça, je le regrette vraiment. Et ça va, vous, autrement, Sébastien ? Moi, ça va très bien. Parce que vous ne savez plus dans quel mois on est, vous ne connaissez plus les prénoms des gens autour du plateau. Je me pose des questions aussi. Si, ça va, vous êtes équilibré, c'est bon. Vous êtes troublé. C'est une usure mentale, lui aussi. Alicia, vous en pensez quoi, puisqu'on vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Alors, Mbappé 6e du Ballon d'Or, est-ce qu'il s'éloigne de plus en plus? J'étais assez surprise par la réponse de ce sondage, plus de 1500 votes, et c'est un grand, grand oui, un oui à 82%. Énorme. Kylian Mbappé a fini 6e au Ballon d'Or. Est-ce que tu estimes que Kylian Mbappé c'est loin de plus en plus du Ballon d'Or. Cela, tu es bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Ballon d'Or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fort de partir. Alors, Kylian Mbappé, il a fini 6e au Ballon d'Or. Du coup, on se pose la question, est-ce que Kylian Mbappé, c'est loin du Ballon d'Or? Puisque l'année passée, Kylian a fini 3e. Il a fini 3e derrière Messi et Erling Haaland. Cette saison, cette année, il a fini 6e. Et vu ce qui est en train de se passer, vu de ce que moi je suis en train de voir de Kylian Mbappé, à mon avis, il est loin du Ballon d'Or. Vu son niveau actuel, vu ses performances, il doit sérieusement travailler. Kylian doit sérieusement travailler, les gars. Puisque s'il continue de nous pondre des performances moyennes, il ne sera pas Ballon d'Or. Puisque actuellement, Vinicius est devant lui. Puisque actuellement, Jude Bellingham est devant lui. Puisque actuellement, Erling Haaland est devant lui. Puisque actuellement, selon moi, Harry Kane est devant lui. Harry Kane est devant lui. Donc, il y a du monde devant lui. Il doit vraiment bosser. Il doit travailler. Kylian Mbappé, il y a des points à améliorer. Kylian Mbappé doit se reconcentrer sur le football s'il a envie de décrocher le Ballon d'Or. Puisque ces derniers temps, Kylian Mbappé, on a très très bien vu que le football n'était plus trop sa priorité. Kylian Mbappé, même si il arrive au Real Madrid, il joue à un poste qui n'est pas le sien, mais il peut quand même apprendre de ce poste, il peut s'adapter. C'est Kylian qui doit s'adapter au Real Madrid, c'est pas l'inverse. Lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé au Real, au début il jouait ailier, mais au fil des temps, il s'est reconverti en avant-centre et ça a plutôt bien marché. Cristiano Ronaldo a performé en étant avant-centre. Alexandre Lacazette a performé en étant avant-centre. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, il peut performer en tant qu'avant-centre. Tout sur le travail. Il faut juste que Kylian Mbappé essaie de se remettre en question et surtout qu'il bosse. Ce n'est pas insurmontable. Si des garçons comme Lacazette l'ont fait, Lacazette, Kylian Mbappé peut le faire. Il y a un QI de football élevé. Son cul est élevé, il peut le faire. Donc, moi, je pense sérieusement que pour que Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Or, il doit sauvagement bosser, les gars. Sauvagement bosser. Il a presque 26 ans. C'est un garçon qui est encore jeune. C'est un garçon qui n'est pas en fin de carrière. Donc, il a tout à sa disposition pour remporter le Ballon d'Or. C'est juste que ces dernières années, Kylian Mbappé ne veut plus bosser. On sent un garçon qui n'a plus trop la tête dans le foot et c'est un peu dommage. Une chose est sûre, pour que Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Or, il doit se mettre au travail. Il doit franchement travailler. Si c'est le Kylian qu'on est en train de voir là, il ne pourra pas remporter le Ballon d'Or malheureusement. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est sur la bonne voie pour remporter le Ballon d'Or? Ou alors tu penses simplement que c'est fini pour lui, il ne pourra plus jamais remporter le Ballon d'Or?
donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.